réaliser ce t-shirt, il vous faudra un t-shirt à vous qui vous va bien et du tissu. Nous, on a utilisé 1m10 pour un t-shirt de taille L. Pour commencer, vous pliez le tissu en deux et vous placez la moitié du t-shirt contre le pli. L'idée, c'est de venir découper tout autour du t-shirt en laissant un demi centimètre, sauf en bas, où vous laissez 2 cm pour l'ourlet. Vous épinglez pour éviter que ça bouge. Et vous venez découper. Pour la manche, c'est aussi simple, il faut juste placer des épingles le long de la courbe pour vous aider. Vous soulevez doucement et vous y allez petit à petit et ça devrait être aussi facile que le reste. Une fois que vous avez découpé votre dos, vous répétez l'opération et du coup vous devriez vous retrouver avec 2 pièces identiques. Pour faire un devant, c'est pas compliqué, vous repositionnez le t-shirt, vous repérez la profondeur du col et vous venez découper un arc de cercle. Pour la manche, idem, vous pliez le tissu, vous placez la manche pliée en deux contre le pli du tissu. Vous épinglez, c'est plus facile. Et là, pareil, vous venez découper à 1/2 cm tout autour, sauf en bas où vous laissez 2 cm pour l'ourlet. Et au niveau de la courbe, c'est le même principe que les deux premières pièces. Faut soulever délicatement, prendre son temps, et normalement ça se passe comme il faut. Et voilà les deux manches. Et pour le col, il faut découper une bande aussi longue que le tour de col plus 10 cm et 3,6 cm de large. Vous devriez vous retrouver avec un devant, un dos, deux manches et une bande pour le col. Allez, on passe à la couture. On pose notre devant et notre dos endroit contre endroit et on vient épingler les épaules. Et vous piquez à 1 cm sans oublier de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que les épaules sont assemblées, on passe aux manches. Pour les manches, faites une encoche au niveau de la pliure pour marquer le milieu de l'arrondi. Ça nous aidera au moment de l'épinglage. Et donc vous devez faire coïncider cette petite marque avec la couture de l'épaule, endroit contre endroit. Ensuite, il suffit de faire coïncider les bords de la manche avec les bords de la manchure. C'est peut-être un peu fastidieux, voire un peu impressionnant, mais ça n'a rien de compliqué. Et vous piquez à 1 cm avec un point d'arrêt au début et à la fin. Ça commence à ressembler à un t-shirt. Maintenant, on va assembler les côtés. La petite astuce, c'est de faire coïncider les deux coutures de la manche. Et vous venez coudre en commençant à cet endroit, donc vers le bas du t-shirt. Puis vous vous repositionnez à cet endroit et vous cousez vers le bas de la manche. Voilà, là ça ressemble vraiment à un t-shirt. Vous pouvez le mettre sur l'endroit et on passe au col. Alors on vous conseille pour plus de facilité de repasser la bande dans le sens de la longueur et vous venez positionner la bande bord à bord avec le col. Là au fur et à mesure que vous épinglez, vous donnez un peu de tension à la bande, ça permettra que le col reste en place. Veillez à ne pas commencer tout au début ni à ne pas finir tout à la fin. Il faut laisser un petit espace, on vous explique pourquoi après. Et hop, vous venez coudre à 1 cm. Vous faites le point d'arrêt juste là, vous superposez les deux extrémités et vous venez couper de sorte que les deux extrémités des bandes ne se superposent que sur 2 cm. Ensuite vous les ouvrez, vous les calez bord à bord, endroit contre endroit, vous épinglez et vous piquez. Une fois que c'est piqué, vous écartez la couture et ça va se plier de façon naturelle et vous venez le caler bord à bord avec le col. Et vous piquez les quelques centimètres qui restaient pour fermer ce magnifique col. Si comme nous, vous n'avez pas trop tiré sur la bande au moment de l'assemblage, vous pouvez ajouter une surpiqûre pour qu'il reste bien en place. Et en plus, c'est joli. Et voilà ce magnifique t-shirt. Voilà, il reste plus qu'à le porter ou à le personnaliser comme nous avec du papier transfert ou alors avec une petite poche ou c'est vous qui voyez. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, ça nous fera plaisir. Vous pouvez vous abonner à notre petite chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, on y est sous le nom de Hello Superette tout attaché.
On vous fait d'énormes bisous.